Comment devenir un entrepreneur ambitieux de top niveau et un leader inspirant qui a un impact sur ses clients, sur ses partenaires, sur son entourage, sur ses proches, bref, qui crée de la valeur et qui en reçoit en retour? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 choses à faire, 4 points importants à mettre en place en application dès aujourd'hui pour devenir un entrepreneur de haut niveau, un leader inspirant. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai tourné des vidéos ce matin que vous publierez dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que 2 choses à faire. C'est premièrement de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui va s'activer pour être informé justement des prochaines publications. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que vous êtes déjà un entrepreneur ou un futur entrepreneur passionné de liberté. En réalité, pour moi, nous sommes tous entrepreneurs, quel que soit votre statut actuellement, que vous soyez aux études, que vous soyez salarié ou que vous soyez déjà en affaires. Parce qu'on a tous, au fond de nous, cette envie et cette possibilité, ce rêve de pouvoir créer sa vie, sa carte du monde, son idéal. On a cette flamme et cette possibilité au fond de nous et cette énergie aussi au fond de nous. Seulement voilà, certains l'ont déjà révélé, l'ont mis en lumière et ont réussi comme ça à créer une vie qui est à la hauteur et à l'image de ce qu'ils avaient au fond d'eux. Lorsque les autres sont encore à se demander comment faire, mais au fond d'eux, il y a déjà cette même base, cette envie de vivre une vie haute en couleur, de créer la vraie différence dans la vie des autres et dans sa propre vie. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 4 points, ce sont des verbes que vous allez pouvoir ici appliquer et suivre pour comprendre comment pensent les entrepreneurs de haut niveau, de haut vol et les leaders inspirants pour vous transformer réellement au quotidien, dans votre business, dans vos activités et dans vos accomplissements de tous les jours. Je voudrais que vous puissiez écouter ceci en appuyant sur pause ou alors l'écouter une fois complètement, mais de revenir dessus rapidement pour pouvoir écouter, d'appliquer le premier point, deuxième point, troisième point et le quatrième point. Voici le premier point que je vous invite et je vais vous noter juste un mot. Chaque point est un mot et on verra dans chacun de ces mots ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour devenir cet entrepreneur que vous rêvez de devenir, ce leader inspirant. Il y a 2 prérequis avant tout, avant que je vous partage ces 4 mots que je voudrais ici vous aider à comprendre et à appliquer dans votre vie. Le premier prérequis, c'est de décider de refuser d'être dans la moyenne. C'est la première des choses. Je vais vous dire, je refuse d'être dans la moyenne. Ce n'est rien de prétentieux, ça n'a rien d'arrogant, ça n'a rien de hautain. Non, c'est pas contre les autres. Non, c'est pour vous. Et quand vous le faites pour vous, vous aidez les autres, ceux qui sont autour de vous parce que vous les tirez avec vous. La première des choses, c'est de décider de refuser d'être de la moyenne. C'est important en se disant, il y a des choses qui sont moyennes et la plupart des gens rentrent dedans. Et puis, il y a une minorité qui se distingue. Donc, c'est déjà de se dire, je refuse d'être de la moyenne et mon objectif. Je ne sais pas encore comment, peu importe, mais je veux être, faire partie de cette minorité et de ne pas être dans la moyenne. S'il y a des points que je choisis d'excellence, je veux tendre vers l'excellence et d'avancer dedans. Deuxième élément qui complète le premier, c'est de cesser de se contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque l'on mérite ce qu'il y a de meilleur. Ça, il faut déjà l'accepter, il faut le comprendre et il faut le valider. Je décide de cesser de me contenter de ce qui est moyen ou bon lorsque je mérite qu'il y a de meilleur. Il y a de la richesse pour tout le monde. Cette terre est remplie de richesses partout. Il y a de la richesse pour tout le monde. Seulement, c'est vrai qu'elle est mal répartie. Mais personne ne viendra vous la donner comme ça en sonnant à votre porte. Vous devez être capable de l'attirer à vous en créant des choses, des circonstances, un business, des outils, des moyens, des leviers qui vous permettront de construire tout ça. Maintenant, rentrons dans ces 4 points, 4 mots que je veux que vous puissiez retenir et comprendre pour savoir comment pensent les entrepreneurs de haut niveau, de haut vol, pour réaliser ce qu'ils réalisent au quotidien. C'est le premier mot. Posez-vous ce mot choisir. Choisir quoi? Choisir, et je vais vous proposer de choisir 3 choses, et dans chacune de ces choses, vous allez pouvoir compléter une liste d'actions à faire et de choses. La première des choses, c'est de choisir d'être, être, le verbe être. Deuxième, c'est choisir de faire, et ensuite d'avoir. Être, faire, avoir. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Je choisis d'être cette personne que je rêve de devenir. Ça, c'est premier choix de vie. Parce que quand on n'obtient pas ce que l'on veut, c'est parce qu'on n'a pas choisi de l'obtenir. On n'a pas choisi d'être. Voilà. Donc d'abord être. Ensuite, qu'est-ce que je choisis de faire pour pouvoir être justement cette personne? Et puis,
Qu'est-ce que je choisis d'avoir? Quels sont mes projets, mes objectifs matériels, la maison, la voiture, autre? Donc, vous pouvez, en prenant ce être, avoir et faire, avoir plusieurs idées. Choisissez de vivre une vie haute en couleur, d'être cette personne, d'avoir ça. Vous choisissez si ça, votre maison, votre voiture, vos voyages, votre qualité de vie, l'impact que vous aurez avec les autres, le regard des autres par rapport à vous, votre regard par rapport aux autres, votre vision du monde, vos émotions. Bref, je choisis d'être, d'avoir, de faire et d'avoir. Ensuite, deuxième point, lorsque vous choisissez, choisir, c'est le deuxième, c'est je décide. Je choisis, ok, j'ai choisi. Deuxièmement, je décide. Je décide quoi, vous allez me dire, Zico? Vous décidez d'être quoi? Vous décidez de faire quoi? Vous décidez d'avoir quoi? Ça peut ressembler aux réponses que vous avez trouvées dans le premier exercice avec avoir, sauf que là, ce n'est pas simplement de choisir, c'est de décider. Ça demande ici, en termes psychologiques, un engagement différent, une chose différente. Vous allez peut-être avoir une posture différente et quand vous décidez, vous avez pris cette décision. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Prenez le temps et couchez-le par écrit. Ensuite, troisième point, c'est qu'est-ce que vous vous engagez? Je m'engage à s'engager. Choisir, décider, s'engager. Je m'engage à quoi? À être quoi? À faire quoi et à avoir quoi? Les réponses peuvent se ressembler, bien évidemment, ce serait très logique. Quand vous avez choisi certaines choses, vous avez décidé, ensuite s'engager à être, à faire et à avoir. Prenez le temps de le faire comme un vrai exercice qui va vraiment vous aider. Et puis, quatrième point, agir. J'agis pour pouvoir obtenir, pour pouvoir être, pour pouvoir avoir. Dans cet ordre, c'est j'agis pour être, j'agis pour faire et j'agis pour avoir. Prenez le temps en suivant cette vidéo de comprendre ce concept très puissant. En reprenant chacun de ces points, décider, comme on a dit tout d'abord, de ne plus être de la moyenne, refuser. Ensuite, cesser de se contenter de ce qui est moins ou bon lorsqu'on mérite ce qu'il y a de meilleur. Et puis, je choisis, je décide, je m'engage et je fais. Être, faire, avoir. Si vous avez apprécié cette vidéo fait partie de la transformation que tout entrepreneur passionné de liberté doit pouvoir traverser pour dépasser sa première barre des 100 000 euros et puis son premier million d'euros. C'est une conséquence, mais il y a une transformation qui se fait d'abord à l'intérieur. J'appelle ça le parcours de l'entrepreneur prospère, ALEC. ALEC, c'est l'acronyme de 4 lettres. Ce sont les 4 phases que l'on traverse. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale dans un document que vous pouvez télécharger ici sur le i-com-info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi en appuyant sur le pouce vers le haut, le pouce j'aime. Ça me permet de savoir que ce sont des types de vidéos qui vous plaisent et que je peux en tourner d'autres et d'en créer d'autres pour vous. Et pensez également à vous abonner en appuyant sur le bouton rouge s'abonner et dites-moi en commentaire ici quels sont les éléments pertinents que vous avez trouvés dans cette vidéo et qu'est-ce que ça va vous aider à accomplir dans les prochains jours, les prochaines heures et les prochains mois. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous envoie toute mon amitié et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. Merci.